Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Subnautica, content de vous retrouver les amis. Et puis il s'est passé quelques petites choses depuis la dernière fois, j'ai fait pas mal de trucs. Pour commencer, j'ai fait beaucoup d'exploration, et ça a porté ses fruits, très clairement, hein, vu que j'ai trouvé différents éléments. Donc j'ai trouvé canon à propulsion de combinaison Prawn, donc cool. Un lit double, c'est vrai que le lit que j'ai fait c'est un lit simple, donc voilà, possibilité de faire un lit double. Étagère murale, j'en avais pas, donc je pense que pour la déco ça peut être très agréable à faire aussi. Et surtout, hein, principalement, le truc qui m'intéressait et je l'ai enfin trouvé, je suis vraiment content, la chambre d'immersion. Alors par contre je vois moins 5 HP, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas j'ai déjà farmé tous les objets qu'il fallait pour pouvoir le faire, donc la chambre d'immersion c'est quelque chose de très important, je suis vraiment content. Et le bras grappin pour combinaison Prawn, je crois que je l'avais pas trouvé non plus, donc voilà, ça a été une grosse session Explo qui a vraiment porté ses fruits. Déjà par rapport au dernier épisode, je suis en train de penser l'étagère murale ici, ça peut être cool. On verra ça après. Donc par rapport au dernier épisode, l'aquarium, vous m'avez dit, hein, c'est pas cet aquarium là qui permet aux poissons de se reproduire, malheureusement. Par contre, j'ai eu un commentaire bizarre et j'ai regardé et j'ai pas trouvé. Il y en a un qui m'a dit bah tes poissons ils peuvent pas se reproduire, c'est normal, c'est des mâles. D'accord. Mais je sais pas, je vois pas du tout où est-ce qu'on voit si c'est un mâle ou une femelle en fait. Bon, toujours est-il que cet aquarium là, moi ça me va. C'est de la déco, c'est joli, c'est sympa, donc je garde. Ensuite ici j'ai étendu l'histoire, donc j'ai rajouté un couloir, ici j'ai rajouté une section dans les quatre directions, hein, comme ça me permet de m'étendre vers là-bas, et ensuite vers ici avec une autre salle supplémentaire avant d'avoir accès du coup à la baie de véhicules. C'est l'objectif et c'est le but de cet épisode, c'est d'avoir notre garage, hein, pour qu'on puisse être tranquille au niveau des véhicules, mais pas que, parce que ça va me permettre aussi de pouvoir crafter, si je dis pas de bêtises, le truc qui me permet d'améliorer les véhicules, et c'est surtout ça que je veux, c'est améliorer les véhicules en priorité. Et dernière petite chose, suite au dernier épisode, le réservoir d'oxygène, je l'ai upgradé en réservoir haute capacité, comme ça me permet de monter à 165 de O2, vu que j'étais un petit peu just au niveau oxygène. Donc voilà un petit peu ce que ça donne ici, hein. J'ai quand même rajouté des plateformes de structure pour pas que ça parte en couille au niveau de la pression, et j'ai rajouté un petit panneau solaire aussi parce que au niveau de l'énergie ça commençait à être un tout petit peu limite. Alors voyons voir la bête. D'accord, donc comme je le pensais, la bête, elle est sacrément balèze. Alors par contre, je peux pas connecter ce truc-là. En soi, j'ai l'impression que je peux mettre ça un petit peu n'importe où, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est le connecter à une structure existante, hein. C'est un petit peu le but du jeu, mon petit gars, là. Je peux tenter le bluff et le mettre ici. Alors ce que l'on va faire, on va y aller par étapes. On va commencer par rajouter ça. Je voudrais que ça se connecte quand même proprement, hein, donc j'espère que ça va le faire. Normalement on passe par en dessous. Putain non, il se connecte. Ça a pas l'air de se connecter. Ça a pas l'air de se connecter. Moi je pensais, j'étais persuadé qu'on pouvait... Ah, ça se connecte. Alléluia. Alors ça c'est cool. Alors par contre, lui il me prend moins 5. Donc on va rajouter... Si on peut, on va rajouter des structures. Là je peux pas. On va en rajouter une ici, histoire de rééquilibrer un petit peu les choses. Bon, ceci dit, je suis plutôt bon, hein, normalement. J'avais fait les calculs et j'étais assez large. Et j'en ai plus, malheureusement. Est-ce que je peux en mettre en dessous? Je pense pas, vu qu'il y a une entrée. Non, je peux pas. Bon, en tout cas, ça rééquilibre un petit peu les choses, hein, je pense. Ok, nice. Nice. C'est gros comme truc, hein. D'accord. Alors, je suppose que je devrais pouvoir mettre des panneaux solaires, hein, là-dessus, à mon avis. Et donc, du coup, j'arrive par en dessous. Tchouf. Non, je suis plus dans l'eau, arrête de faire le bruit. D'accord.
Donc en fait, ça me fait une petite piscine intérieure, hein, on est d'accord. Ici, je vois qu'il y a les bras articulés. Alors normalement, ici, je devrais pouvoir récupérer le prone. On peut le mettre ici, si je dis pas de bêtises. Et c'est assez grand, hein, c'est assez grand. Ça me plaît bien, en tout cas. Ça me plaît bien. Je suis vraiment content. Et puis bon, ça me fait une autre entrée par là, au niveau de la base, par ici. Alors maintenant, quelque chose de très très important et de primordial que je veux rapidement, station de modification de véhicule. Donc verre et circuit intégré. D'accord, verre, circuit intégré. On va regarder ça très rapidement parce que, en fait, vous me l'avez dit, hein, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, là les véhicules, il va falloir que tu les upgrades, mon petit gars, si tu veux pouvoir aller plus profond et rien à voir avec ta femme. mais en tout cas, voilà, si on veut pouvoir faire plus d'exploration, il va falloir s'y mettre. Donc, il me faut du verre, c'est 2 de quartz, parfait, 1 de verre, 2 de titane, je les ai déjà, et c'est du circuit intégré qu'il me faut, je crois. Circuit intégré, donc 2 d'or et 4 de cuivre. Ouh, le cuivre, je suis un petit peu en dèche, je crois. Ah, putain, je savais que j'étais en dèche de cuivre. Ah, je savais que j'étais en dèche de cuivre. C'est chiant, ça. Fil de cuivre. Ok, et il me faut 4 échantillons plats. Bon, écoutez, on va aller regarder si on peut mettre la main dessus, hein, clairement, hein. Il me faut de la place. J'ai de la place. Il me faut 2 de titane. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà poser un titane tranquillement. Et on est bon. Bouffée flotte, ça peut aller. Bouffée flotte, ça peut aller. Alors, du cuivre, il m'en manque 2, je devrais pouvoir mettre la main dessus assez facilement. Hein. Pour rappel, parce que je sens que le jeu va me troller, hein. Mais pour rappel, au début du jeu, quand je recherchais des ressources, je mettais la main systématiquement sur du cuivre et jamais sur le reste. Débris métallique, cool, mais j'ai pas besoin de titane. C'est juste de faire gaffe s'il n'y a pas les espèces de petits poissons qui me pètent à la gueule comme des gros enfoirés. Alors, minerai d'argent, c'est très très cool, mais c'est pas ça que je voulais. Or, c'est cool, mais c'est pas ça que je voulais non plus. Titane, c'est pas ça que je voulais. Alors, tiens, un minerai de cuivre. Alors, c'est pas du luxe, hein, de récupérer d'autres. Oh putain, il m'a fait flipper ce con, j'ai sursauté comme un boulet sur ma chaise. Ah, le con! Pourtant, je le sais en fait, mais pour moi, ils sont tellement entre guillemets inoffensifs qu'il m'a foutu un putain de coup de pression, quoi. Ah. Ok, c'est bon. Petit coup de stress. Passe. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Tiens, on va récupérer ça pour avoir un peu de titane en rab, pardon. Titane. Merde, tu fais chier. Enfin, tu fais chier, pour être honnête, le titane, j'ai dû en farmer pour pouvoir faire le nouveau bâtiment. Il m'en a fallu 42 titanes juste pour avoir les lingots, plus encore un peu de titane pour le reste. Je peux vous dire que j'en ai chié. Il m'en fallait quand même beaucoup. Alors j'en ai chié, tout est relatif, hein, mais c'est juste que ça prend du temps à les farmer. Il me manque un de cuivre, mec. Un de cuivre, on est bon. Et il me manque. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Il me manquait. Ah, du corail plat, voilà, c'est ça, du corail plat. On s'est éloigné un petit peu quand même, on s'est éloigné un petit peu. Alors, ce qui est cool, c'est qu'au passage. Ah merde, j'avais oublié, moi j'étais habitué à être tranquille. Youp là! Nice! Ah, je suis content, la base, franchement, elle commence à avoir une sacrée gueule quand même. Regardez-moi ça. On commence à bien s'étendre et tout, franchement, ça le fait. Vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Je kiffe ce jeu, clairement. Il a un côté reposant et stressant en même temps, mais. Non, 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 non. Les poissons qui me pètent à la gueule. No merci. Alors, on va plutôt passer par. Non merci non plus. On va aller par là-bas, écoutez, hein. On va le trouver le dernier de cuivre, hein. Je suis pas inquiet. Sauf que là, bien évidemment, c'est du titane. Fuck you. Alors, c'est parti. Toi, tu m'as mis un coup de pression. J'ai eu mon coup de pression pour l'épisode. J'en veux pas d'autre. Alors, j'en ai eu un autre, hein, ceci dit, hein, parce que l'épave que j'ai trouvée, elle était peut-être vers les 400 mètres, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et sincèrement, au début, j'étais bien, j'étais posé, c'était calme et tout. Et d'un coup, putain, le Léviathan qui débarque. Mais en fait, dès le début, en fait, quand je fouillais l'épave, j'avais pas fait gaffe, mais le bordel, il était juste à côté et j'avais pas entendu, en fait, j'avais pas calculé. Oh merde, j'ai plus de piles. Bah écoutez, ouais, on n'est pas très loin. On va repasser quand même. Ouh là 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 là. On s'y habitue plus vite à ces conneries-là, hein, parce que là, le fait d'y aller juste comme ça à la nage, ouh, l'horreur. Et donc bref, oui, voilà, le Léviathan m'a foutu un coup de pression à l'infini et au-delà, je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, dès le début, je l'avais pas calculé, et j'avais fait ma session fouinage tranquille, bah, avec lui à côté en fait. Et je peux vous dire que j'ai fait un sacré bond. Hein. J'ai fait un sacré bond, je me suis chié dessus. Mais bon, c'est la vie. Alors, tac. Voilà, vire. L'avantage, c'est que t'as vu un petit peu ici. On est plutôt refait à ce niveau-là. Bang. Parfait. Alors, on va s'occuper du titane. On va le ranger. On va ranger un petit peu tout ça. Ok, alors titane, il m'en faut deux. Donc là, je peux en ranger pas mal, hein. Ouais, cool. Cool. Ça me permet de re-remplir mes stocks. C'est pas du luxe. C'est jamais du luxe. J'avais pas récupéré du plomb. Si. Du plomb. Alors, vous allez voir au niveau des ressources, regardez. Bim! C'est pas trop mal hein, quand même, hein. Je suis bien remonté. Hein. À faire, à force d'explorer un petit peu à droite, à gauche, etc., ça va vite et on se fait vite plaisir. Alors, par contre, hop, il y a un truc qui va pas le faire. Donc, c'est ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la puissance, je suis à 250 maintenant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'est pas assez. Voilà, l'arbre bulbe, je kiffe. En gros, les combinaisons que je fais, c'est arbre bulbe et patate. Et je trouve que c'est parfait en fait, hein, que ce soit bouffe plus flotte, en fait c'est un méga bon compromis. Et au final le reste je l'utilise jamais pour être très honnête. Hop. Et hop. Guretto. Oh putain, par contre s'il fait nuit. Alors, j'ai fait un test et j'ai réussi à faire passer la nuit en pionçant. Donc ça a l'air d'être un petit peu la même mécanique que Minecraft. J'ai l'impression que quand on dort ça fait bien passer la nuit. Hein. Donc on va le vérifier vu que j'étais fatigué. Allez Billy. Et là, et voilà, il fait jour. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc du coup j'ai pu vérifier ce truc-là vu que j'avais un doute à ce niveau-là à la base. Mais franchement c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que genre là, bah, genre notamment en record, parce que si c'est pas en record, à la limite, bon. Si je suis en train de jouer en mode tranquille, je peux toujours tempo un petit peu, faire autre chose. En record, c'est pas super agréable quand il fait nuit et bien sombre comme ça, on n'y voit pas forcément grand chose. Alors, est-ce qu'on va réussir à mettre la main sur le dernier minerai qu'il me reste à choper? Je vois un espèce de petit fucking poisson là-bas. Alors encore une fois, tiens, one shot. J'allais dire encore une fois, peu importe ce que je trouve, je ramasse un petit peu tout et n'importe quoi. Ça me permet de bien grossir au niveau de mes stocks. Et ça fait plaisir. Alors, bang, 2, 3 et 4. Donc, corail plat, j'ai les 4. Voilà, parfait. Et il me fallait de l'or, je crois, mais l'or, je l'ai rangé. Donc on est bon, on a notre matos, les amis, on a notre matos. On va pouvoir faire notre petite station d'upgrade. Et je sais pas encore quelle est l'influence exacte. Des upgrades, c'est-à-dire que là de base le CMOS me permet d'aller jusqu'à 200 mètres et je sais pas du tout quelle est la proportion du truc. Mais bon, écoutez, on va être rapidement fixé hein, à ce niveau-là. Il y a un petit bug, j'ai l'impression, quand on rentre par là. J'ai encore le. À la base, j'avais encore le bruit comme si j'étais sous la flotte. C'est très bizarre, très déstabilisant. Alors, pif pif paf. Ça c'est cool. De l'or, il m'en fallait deux, je crois pas plus. Hein. On va être rapidement fixé de toute manière. Donc, fais péter ton fil de cuivre. Comme ceci. Et ensuite, circuit intégré. Circuit intégré. Voilà, c'est ça, hein, on est bien d'accord. Hein, si je dis pas de conneries. Hop. Hop, hop. Voilà, station de modification. Donc là, on est d'accord que normalement, il va pas me laisser justement poser ça.
Cependant, si on va au bon endroit, normalement ça devrait changer la donne. Il faudrait que je vois au niveau des panneaux solaires si j'en ai assez ou s'il faut que j'en refasse. Pour l'instant, il n'y a pas le feu, j'ai envie de vous dire. Ah d'accord, tu m'as fait flipper, hein, tu m'as fait flipper. Par contre, là, tu me proposes de le mettre à des endroits vraiment pourris, mec. Hein. Je peux pas le tourner avec... Non, sérieux, c'est contre le mur comme ça? Tu bluffes? Je pensais pas que c'était aussi... Alors, attendez, hein, peut-être qu'après c'est un bug... C'est bizarre ça. Écoutez, on va le mettre de ce côté ici, si c'est possible. Je pensais qu'il devait être dans l'autre sens. Ultra particulier là. Ah ouais, il a créé un renfoncement, je savais pas ça. D'accord, là on va s'entendre, là on va se kiffer. Aucun véhicule amarré, d'accord. Je pensais pas qu'il allait créer un petit renfoncement comme ça. D'accord, bah écoutez, parfait. Alors là, j'ai aucun véhicule amarré, donc bien évidemment. Donc module commun, donc c'est module commun à tout, c'est ça. Renforce le châssis du véhicule en cas de pression moyenne. Simos Brown, d'accord. Renfort de coque, durcit préalablement le châssis avant une collision. Putain, c'est vraiment pas mal ça. Énergétique, recycle la chaleur sous-produite pour minimiser les défaillances énergétiques. Ça, c'est génial aussi. La vache. Module de stockage. Bon, bien évidemment, c'est très intéressant. Et maintenant, module de CMOS, chargeur solaire. Pour CMOS, recharge la batterie du CMOS grâce à la lumière du soleil. C'est méga cool, ça. Alors, je sais pas quelle est la vitesse de chargement, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Système de défense. Donc... champ électrique localisé conçu pour faire face à la faune agressive. C'est pas mal du tout. Polyaniline, je sais pas du tout comment on le fait. Système de torpilles. Diffusion sommaire standard conçu pour lancer des torpilles. On pourrait lancer des torpilles, d'accord. Et enfin, le sonar. Un système consacré à la détection et l'affichage de données topographiques sur le HUD. Oh, nice. Vraiment, vraiment nice. Donc là, ici, bah, bien évidemment, il y a pas mal de choses. Et ici... torpille, torpille vortex et torpille à gaz. D'accord. Bah écoutez, je crois qu'on va bien s'entendre parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont vraiment sympatoches. Hein. Il y a vraiment... ce qui est cool, le chargeur solaire pour CMOS, je trouve qu'il est pas mal. Alors, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Tiens, on va retourner dans le bain. On va aller le chercher, le CMOS. On va aller le chercher rapidement. Histoire de l'amarrer et de voir un petit peu... ce qui me dit... Alors, je crois que je suis limité au niveau des upgrades hein, pour chaque véhicule, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus quelle est la quantité, par contre. 4, je dirais. Je dis peut-être une connerie. Je dis peut-être une connerie. Ouais, le petit bug graphique de l'amour. Alors, vas-y. Ok, d'accord. Donc là, il me l'a fait à la Goldorak. Bim. Ok, CMOS amarré. Chargé. Donc le bordel il est là. Ah le voilà. Accès amélioration. Bouton gauche de la souris. Donc je peux mettre 4 modules d'amélioration. C'est ça. Et je suppose que j'en ai pas de l'autre côté. Non, j'en ai pas de l'autre côté. D'accord. Donc je suis limité à 4 améliorations. Je suppose qu'elles se cumulent. Si je dis pas de bêtises. Mais un chargeur solaire ça pourrait être sympa. Forcément système de défense ça pourrait être sympa. Putain torpille ça peut être énorme. Sonar ça peut être énorme. J'en suis déjà à 4. Donc stockage en gros tu l'as dans le cul. Ça c'est chaud. Ah là 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 là. C'est chiant, hein, quand même. Hein. Je suis un peu frustré parce que moi, j'étais chaud, quoi. Alors, par contre, ce qu'il faudrait que je mette ici, peut-être rapidement, ce serait de quoi pouvoir crafter. Parce que là, je suis obligé de retraverser toute ma base, à aller à l'autre bout, pour avoir accès ici au fabricateur. Ce qui est un peu chiant, pour être honnête. Ah, mais non, c'est pas ici. Oh, attends, où est-ce que j'avais vu? Où est-ce que j'avais vu... Merde. Non, ça n'a rien à voir avec ici. Normalement, c'est pas ici non plus. C'est avec le truc d'habitat. Divers. Oh, alors attendez, il y a un truc qui m'échappe parce que je pense qu'il y a un moment donné...
D'accord, non, c'est pas ici. Mais attends. Attends, tu me l'as fait à l'envers, ça va pas le faire. On va pas être potes. J'ai vu des trucs qui étaient géniaux. Géniaux. Des trucs géniaux. Voilà. Parle bien la France. C'est quoi ça? Je sais pas. J'ai vu des trucs qui étaient méga cool et qui m'avaient intéressé. Bah c'est ça que je veux, moi. Balance de pression. Renforce le châssis du véhicule en cas de pression moyenne. Ah mais non, c'était pas ça. C'était les MK trucs. Ah voilà, c'est ça. Balance de pression MK2. À mon avis, ça paraît peut-être pas tant que j'ai pas fait le premier. À mon avis, hein. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est bah, balance de pression MK3, quoi, en mode bam. Parce que logiquement, c'est ce qui me permet d'aller plus profondément. On est bien d'accord, hein, d'aller plus profondément. Alors attendez, lingot plasticier, circuit intégré. On va regarder. Lingot plasticier. Alors. Ah, il est là. Lingot de titane, lithium. Ah, fuck you! Lingot de titane. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va me coûter cher ces conneries, hein, parce que ça va vite, hein. Déjà, j'ai plus de cuivre. Ah, mais si j'ai plus de cuivre, ça veut dire que je vais pas pouvoir le faire. Merde. Un lithium. Écoutez, hein, vous savez quoi? Vous savez quoi? On commence à crafter le truc tranquillou. Au pire, je vais chercher du cuivre en off, hein, s'il faut. Et puis n'hésitez pas dès maintenant à me filer des conseils dans les commentaires, comme vous le faites à chaque fois d'ailleurs, là-dessus vous cartonnez. Donc n'hésitez pas à le faire, histoire d'être sûr que déjà je ne fasse pas fausse piste sur ce que je viens de dire. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'est dans l'inventaire. Voilà, donc circuit intégré, on est d'accord que là-dessus, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai dans le cul, on est d'accord? Voilà, fil de cuivre. Fuck you! Or, corail et cuivre. Elle est où l'espèce de méga entrée de grotte qu'il y a à un moment donné avec une chier de ressources de ouf? J'aurais dû mettre une balise à cet endroit-là. Il y a un endroit, pour ceux qui jouent au jeu, vous voyez peut-être de quoi je parle, il y a une entrée qui est assez grosse, assez énorme. Et vous avez énormément de ressources que vous pouvez récupérer. Une espèce de grosse entrée de grotte. Et là-dedans, c'est le bonheur. Parce que les deux de cuivre, je suis sûr de les avoir en quelques secondes, en fait. Hein. Tiens, attends. C'est de l'or. C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave. Du titane. Ouais, je vais pas y arriver. Ça va être à la recherche du cuivre perdu. Elle est où cette méga entrée de grotte? Putain, j'aurais dû la noter. J'aurais dû la noter. En même temps, bon voilà, c'est vrai que ça a servi au début du jeu, hein, parce que après, je me suis rapidement démerdé autrement pour avoir des ressources. Je préférais plutôt partir et m'éloigner en fait de chez moi, hein, tout simplement pour essayer de trouver. Hop là, pour essayer de trouver des fragments, etc. Donc c'est pas illogique. Mais là, pour le coup, je kifferais retomber dessus. Allez. Est-ce que je me suis beaucoup éloigné? Ouais, c'était peut-être pas si loin que ça. C'était pas aussi loin que ça, je crois. C'était peut-être pas aussi loin que ça. Bon, sinon, tant pis, hein, vous savez quoi, hein. Je crois pas que c'est. Ah, ben c'est ça! Alléluia! C'est ça que je cherchais. Ah, ouais, mais j'ai déjà tout bouffé en fait. J'ai déjà tout cramé. Non, il y a un de cuivre par terre. Ça veut dire que j'étais full inventaire à ce moment-là. Il y a un œuf. Il faudrait que je regarde aussi pour les œufs. Là, vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il y a des choses sympas à faire. Mais du coup, c'était cette entrée-là à laquelle je pensais. À part que, en fait, j'ai tout nettoyé, en fait. Hein. J'étais full inventaire, donc il y avait un de cuivre par terre. Mais regardez. Ici, c'était noir d'éléments à récupérer. Encore une fois, pour ceux qui jouent, vous voyez de quoi je parle. C'était un vrai bonheur. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai tout nettoyé en fait, hein, mis à part un. J'avais vraiment clean la zone ici. Oxygen. Ah bah ouais. Voilà. Ça te va comme ça? Récupère ton oxygène. Ah, du coup, la barre, elle est balèze, ça avait du temps à la récupérer.
Ok, donc au final, voilà le fameux gros tube que je cherchais et dont je vous parlais. Donc on va rebrousser chemin tranquillement. Voilà, on essaie de voir en chemin s'il n'y a pas un ou deux trucs à ramasser. Il manque plus qu'un de cuivre et on est bon, hein, donc ça peut aller très très vite. Puis ça permet de se baladouiller un petit peu, faire un petit peu d'explos tranquillement. Alors déjà, toi. Bang, bang. 1, 2, 3 et 4. C'est ça, il m'en fallait 4, hein, pas plus, on est bien d'accord. Hein. Apprends les mathématiques avec Wotan. Yay, 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 yay. Ah, je le sens bien lui. Et voilà, je t'avais dit que je le sentais bien. Bim! Ok, on est good. Allez, on fait ce truc là. Et puis à la limite, du coup, ça voudrait dire qu'il faudra que je regarde comment. Assez rapidement, dès le prochain épisode même, hein, pour monter après les niveaux de ce truc de cet élément là. Du truc de balance, hein, si c'est possible, bien sûr. Alors, on avait dit. Alors attends, je t'avoue que j'ai pas envie de faire de conneries. J'ai pas envie de faire de conneries. Circuit intégré, il m'en faut un. On est bien d'accord, c'est là-dessus que je pars. Hein. Voilà. Donc circuit intégré, il me faut fil de cuivre. Voilà ton fil de cuivre. Nice. Et voilà ton circuit intégré. C'est parfait. Maintenant, allons voir un petit peu ce que ça va donner et surtout si ça débloque la suite. Paf, 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 paf. On court, on court, on court. Le furet. Alors au niveau de la flotte, il est en train de me dire qu'il va falloir que je me serve un petit coup de pinard, sinon ça va pas le faire. Il est là. Balance de pression. Renforce le châssis du véhicule en cas de pression moyenne compatible. Blablabla. Bla bla bla. D'accord. Donc déjà, si je fais ça, le reste, c'est baisé. Cependant, chargeur solaire, torpille, sonar. C'est bien beau d'avoir tout ça. Sauf que si je peux pas aller plus profondément, c'est pas super intéressant. Donc vas-y, fais péter. Fais péter ta balance de pression. J'ai confiance en toi. Et... Bah, la question maintenant, c'est la balance de pression MK2, le niveau 2, elle est où? Parce que ça, je l'ai, mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pousser et d'aller là, quoi. J'espère qu'il n'y a pas une autre station de véhicule plus évoluée, que je n'ai peut-être pas. Non, pompe cyclope. N'hésitez pas à balancer à fond dans les commentaires comment ça se passe à ce niveau-là. Bon, de toute façon, il faudra que j'aille faire un tour sur le wiki. Hein. Mais pour moi, j'étais bon, en fait. Hein. Pour moi, j'étais bon, c'est-à-dire que là, j'ai ma balance de pression. Et maintenant, bah moi, j'étais chaud pour continuer, en fait. Pour continuer, faire le 2 et après faire le 3. Je balaye vite fait pour voir, mais je crois que non, j'ai dans le cul. Hein. J'ai rien vu dans ce sens-là. Hein. D'accord. Alors, merci. On va aller regarder vite fait sur le fabricateur, et ce que je vous propose après, c'est qu'on rentre juste dedans pour voir combien on a gagné, et puis on va se quitter là après pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça me paraît pas mal, il y a eu beaucoup de farms en off, et on a bien avancé, donc c'est plutôt cool. Il faudra que je me pose un petit peu aussi pour faire un peu plus de déco. Knife used. Oh mon dieu, espèce de bip. Comment on fait un knife? Eh, tu sais quoi? Allez, c'est bon. Aucune envie de me faire chier avec ça maintenant. L'avantage, c'est que regardez, Bibi, voilà, il a sa petite cave à vin. Il a sa cave à vin ici. Voilà, ça c'est fait. Fin du débat. On va en prendre deux. Pif pouf. Alors, est-ce que ça a débloqué quelque chose ici? Non, ça n'a pas débloqué. Hein. À mon avis, c'est dans l'autre truc. Hein. Là-dessus, c'est mort. Bon, écoutez. Dans l'immédiat, ce que je vous propose de faire, c'est on va déjà installer le bordel, hein, quand même. Parce que je suis quand même content de l'avoir eu, donc autant l'installer. Et il faudrait que je voie d'ici le prochain EP comment faire pour basculer au stade supérieur. Est-ce qu'il me manque du coup des fragments ou quoi que ce soit? En tout cas, si vous avez l'info, bien évidemment, n'hésitez pas à me la donner. Hein. Je suis complètement preneur. Ah, nice. Simos, je peux changer la couleur et le nom. Comme pour... C'est très bien, ça. C'est très très bien ça. Il me permet de cliquer dessus, mais ça fait pas grand chose. Hein. Alors, en avant Guingamp. Boum.
équipé. Nouvelle profondeur critique, 300 mètres. À mon avis, ça sent le 100 mètres à chaque fois. Donc 100 mètres plus l'autre, ça fait 400, 500. À mon avis, à vue de nez, au max, on peut aller à 500 mètres. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut aller à 500 mètres au maximum. Ok, bah écoutez, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Alors par contre, n'hésitez pas à me dire maintenant comment je peux faire pour l'upgrader encore plus que ça. Le fait d'aller à 300 mètres, c'est déjà une très bonne chose. Et puis surtout, l'autre question que je me pose, est-ce que... Non, à mon avis, le MK2 remplace celui-ci. Hein. Ce serait plutôt logique. Hein. Il me resterait 3 slots de dispo. Donc, généralement, qu'est-ce que vous mettez dans les slots de dispo? Parce que forcément, avoir un petit stockage, c'est sympa. Après, 4x4, c'est pas non plus énorme. Mais chargeur solaire, ça me tente. Peut-être qu'après, vous allez dire que c'est de la merde. Système de défense, je pense que ça peut être pas mal. Et sonar. Sonar, je pense que ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas vraiment à me donner les infos. Si vous les avez, et puis à me dire un petit peu ce que vous en pensez à ce niveau-là. Bref, moi je vais vous faire tout plein de gros bisous, en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode, si vous êtes toujours là c'est que vous cartonnez, des bisous, et à la prochaine. Merci d'avance pour les commentaires, allez, ciao ciao.